Bon les gars, je pense que j'ai vraiment un problème hein, parce que là, ça fait 3 jours que j'ai fait la commande de mon colis MyProtein et je sais même plus ce que j'ai pris. En fait, tu vois, j'ai tellement de travail, j'ai tellement de choses à faire que je sais même plus. J'ai un colis. En fait, regarde, mon problème c'est que je sais que j'ai pris 3 pâtes à tartiner au chocolat blanc. Le reste, je sais plus. D'accord? En fait, moi je sais que les trucs qui sont bons à manger. Sinon, le reste, voilà. Je sais plus. D'accord? Mais c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing, hein, d'accord? Je vais te montrer ce que j'ai pris dans ma commande. Et aussi parler de mes objectifs en fonction de chaque complément. Ça va être intéressant. Toujours avec mon petit couteau. Bon, j'ai pas pris le grand couteau. Je sais même plus. Il est où le couteau à pain là? Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc, je vais prendre le couteau tactique. Hop. Ah, par contre, celui-là coupe direct. Celui-là. Là, pas dans le couteau à pain. Là, on voit que ça, c'est un couteau de boucher, ça. Ah, ça, c'est un couteau à pizza, ça. Ça sent. Bon, on va voir ce qu'il y a. Alors, on commence par le meilleur élément du colis. Ça. Ah ouais. Putain, un truc que je me rappelle même plus. Attends, ça, je le retire, ça fait du bruit. Voilà. J'ai pris ça pour tester. Multivitamine Gummies. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit bien. Alors, c'est des bonbons multivitaminés. C'est à manger et tout. Je vais tester. Je vais voir. Et je trouve que ça fait du bien de prendre des vitamines tous les matins. Quand je prenais tous mes compléments que je prenais quoi? Il me semble que celle-là, je prenais du collagène. Concentration, c'était un mélange de zinc, magnésium. Ginseng. C'était vraiment bon, c'est vraiment bon, je me sentais vraiment bien. Donc là, hop, toujours mes multivitaminés, enfin mes multivitamines, pardon, mais en bonbons. Ensuite, c'est un complément, il s'appelle Join, mais je vois ce qu'il y a dedans. Il y a du collagène, c'est bon pour les cartilages et tout. Ouais, parce qu'en fait, je sens que j'ai un peu mal au coude, un peu mal au poignet, un peu mal au genou. Donc pour les cartilages et tout, ben voilà. Je sais que j'ai du collagène, mais là, il y a du collagène, il y a deux trucs dedans. Il y a marqué cartilage dessus, donc je me dis, voilà, ça va me soigner parce qu'il y a marqué cartilage. Donc je vais le tester. Et sous forme de comprimé cette fois-ci à prendre avec de l'eau. Là, c'est plus du bonbon, hein. Là, c'est bon. Je vais le couteau en bas parce que s'il déchire le canapé, je vais pas être content. J'ai pris des CLA, du CLA. Alors, le CLA, c'est de la même famille que les brûleurs de graisse. D'accord? Je mets des guillemets hein, pour brûleurs de graisse parce que ça ne brûle pas la graisse. La dernière fois que j'ai utilisé du CLA, ça m'a fait retirer l'eau de mon corps un peu. Et j'étais un peu plus stressé, un peu plus veineux. D'accord? Au niveau des bras, justement. Ça veut dire que quand je prenais ça, au niveau des bras, j'étais beaucoup plus sec et j'étais bien faire les photos, les vidéos et tout. On entre nous, on se dit la vérité, d'accord? On va pas se le mentir, ok? Donc là, j'en ai pris. Par contre, les gélules, elles sont énormes quand même, hein? C'est incroyable. Donc, ouais, faut prendre 2 gélules par jour. Donc, je vais tester ça. Je vais tester et ça a l'air good. Il y a combien de gélules dedans? 120. Incroyable. Ensuite, le plus important, la créatine, les gars. Créatine. Créa pure. Créa pure. Créa pure, c'est un gage de qualité. La créatine, ça va être important pour gagner en force. Pour être concentré, aussi gagner en masse musculaire, être beaucoup plus balèze, j'en aurais besoin. J'en aurais besoin. Vous avez vu la vidéo avec City Fletcher? Enfin, la vidéo de mon programme City Fletcher? Quand même mis dans le mal, j'ai besoin de ça pour soulever plus lourd, être plus fort, être beaucoup plus performant. Et voilà, créatine pour moi, c'est une valeur sûre pour aller plus loin en musculation. Toujours.
Par contre, à rectifier un truc sur la créatine, parce que tu vois, en musculation, il y a des études qui se font à chaque fois, tous les jours, tout le temps, tous les ans. Avant, la créatine, les gens le prenaient tout le temps avec le booster avant l'entraînement, clairement. Là, j'ai vu plusieurs études qui démontraient que prendre la créatine après l'entraînement favorisait mieux le développement musculaire que le prendre avant. Donc, on va tester, on va essayer. Moi, personnellement, je suis de l'ancienne école. Mais on va tester. Je prendrai après l'entraînement et on verra comment ça agit sur moi. Ensuite, les gars, Clearway, Pechti, la base. Par contre, il y a un truc bizarre sur le site MyProtein et c'est un tips que je vous donne. Quand tu prends la Clearway, il y a la Clearway qui a un prix de base, je ne sais plus ça combien, et il y a le pack de démarrage. Ça veut dire que c'est une Clearway avec un shaker. Ce pack, il est moins cher que la Clearway normale. Ça veut dire que la Clearway et un shaker, c'est moins cher que la Clearway normale. Donc, prends ton shaker. Moi, ça fera mon 10e shaker à la maison, mais c'est pas grave. J'ai ma Clearway pêche. C'est le plus important. Ça, inutile de te dire. C'est une bonne Clearway. Le meilleur goût, très très bon goût, on est bon. Bon après, bien évidemment, les gars, ce que je t'ai dit, bien évidemment, les trois, j'ai quand même pris trois chocolats blancs. C'est trop comment c'est bon, c'est incroyable. En plus, quand je l'ai pris, il y a un frérot moi m'a dit, ouais, tu verras, c'est pas bon, c'est pas ouf. Mais c'est bon de ouf, il est fou ou quoi? Lui, ça se voit, lui, il a un palais qui n'est pas raffiné. Ça, c'est incroyable. Quand je l'ai fini, le mien, j'étais triste. J'étais triste. Là, j'en ai trois. Je suis bien. Ça va me tenir jusqu'au mois prochain. Enfin, non, on va pas se mentir, ça va me tenir peut-être 2 ou 3 semaines. Mais c'est bon. Franchement, c'est bon de fou. C'est protéiné, il y a 22 grammes de protéines. Tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir, tu manges protéiné et c'est important. Donc ça, pour les petits-déj, pour les collations, hop, moi je le prends, je suis bien. J'ai pris aussi 2 petites barres, d'accord? Pour goûter, c'est quoi? Caramel nuts, caramel cacahuète. Ouais, en gros, c'est des sneakers en gros, hein. Des sneakers protéinés. Impact bar My Protein. Toujours. C'est quoi ça? J'ai acheté un biberon, moi. J'ai acheté un biberon. Ah ouais, et moi je suis vraiment un client facile. Alors, c'est quoi? Ok, d'accord, je sais ce que c'est. C'est un truc à compartiment, d'accord? C'est un truc où tu mets tes gélules, tu mets ta poudre, ta protéine, et... Mais c'est trop bien! Mais c'est trop bien en fait! Parce qu'en fait, attends, il est où l'ancien que j'ai là? Attends, je te montre ça. L'ancien que j'ai, il est là. Il est là. Tu mets ta poudre, faut que je vienne toi, tu mets ta poudre, tes gélules et tout. Mais ça, c'est stylé, parce que ça, on dirait un shaker, mais c'est pas un shaker. Tu mets ta poudre dedans, et c'est beaucoup plus stylé. T'es là, tu fais ça, hop, t'as ta poudre, hop, tu mets, t'as tes gélules, ton sel là. Ta créatine, non, franchement, ouais, non, franchement, c'est bien. Je suis un client, ouais, je suis un client facile, mais c'est bien, c'est très très bien. Le plus important, faut être prêt. Il est ouvert.
Non, il est pas ouvert. Mais il sent déjà, il sent la mangue déjà. The Pré Thermo. Alors, ça, c'est un pré-workout où clairement, quand je vais le prendre, je vais parler tout seul dans la salle. À partir du moment où je sens déjà l'odeur du pré-workout fermé, c'est que c'est un délire, d'accord ? C'est-à-dire que l'odeur, elle s'échappe du produit déjà. Donc, j'ai hâte de le tester. Prochaine séance, je vais le tester. Je te dirai ce que j'en pense. Il faut que je me filme. D'accord ? Donc, prochaine séance, je me filme et tout. Je vais le tester. Je vais voir si... En plus, dans les composants, il est incroyable. Je pense qu'il y a de quoi de bien me congestionner. Je te dirai ce que j'en pense, clairement. Ensuite... Ça, il me semble que c'est des barres de chocolat. Des barres de céréales. J'ai pris des barres de céréales, je sais plus à quoi. Mais il me semble que j'ai pris des Crispy, les Layered. Il me semble que j'ai pris encore des trucs aux cacahuètes, caramel et tout. Parce que moi, j'aime bien ces dires-là, tu vois. J'aime bien et une petite barre de céréales avant d'aller à la salle, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien, c'est de l'énergie, c'est bien, c'est important, clairement, c'est important. Et ensuite, des canettes, il y a quoi dedans? Zinc, vitamine, B6, A, D3, B12, taurine, caféine, ok. Alors, ça c'est la nouvelle gamme de MyProtein, c'est une gamme gaming, d'accord? Pour toucher un public de gamers. Moi personnellement... Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. D'accord ? On ne va pas se le mentir. Sans doute, c'est pour toucher un nouveau public, de jeux vidéo et tout. Mais en soi, c'est un Red Bull. D'accord ? C'est un Red Bull. Tu peux le prendre pour aller à la salle pour tout tuer. Moi, pourquoi j'ai pris ça ? C'est pour tester. Enfin, pour tester. Pour tester à la salle. Parce qu'en goût, j'ai déjà testé. C'est super bon. C'est quoi comme goût ? C'est strawberry. Ah, mais il me semble qu'il y en a un au goût cola chéri ou je sais pas quoi. Mais là, c'est strawberry. Oh, ça, j'ai jamais goûté celui-là. Eh, il doit être bon. Ouais, il doit être bon. Il doit être bon. Il doit être très, très bon. Bon, bref. Si je l'ai pris, c'est pour le tester en salle de sport. Pour avoir mon petit remontant, mais aussi pour faire des vidéos publicitaires. D'accord ? Parce que comme tu le sais, je suis un vidéaste, je fais des vidéos publicitaires. Et j'ai envie de me faire des vidéos où voilà, je fais une petite pub produit, une petite pub canette avec ça justement. Et j'ai hâte de tester et de te montrer tout ça aussi. Parce que la vidéo pub, je vais peut-être te la partager aussi. Bah oui. Et si tu me suis sur Instagram, bah, c'est fort possible que tu la vois dans mes stories, dans mes trucs. Parce que faut faire de la pub produit aussi, c'est important les gars. Ouais, je suis en train de regarder la boîte, je vois la boîte, elle est vide et j'ai eu un blocage. C'est fini les gars, c'est fini, il n'y a plus rien. J'ai tout pris, j'ai tout montré, donc voilà mes compléments. Première fois d'ailleurs que je fais une vidéo en une fois sans cut. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Je pense que à tous mes colis, je te ferai une petite vidéo, je te montrerai, je parlerai, j'ai pas pris de vêtements. C'est le seul colis où j'ai pas pris de vêtements. J'ai vraiment pris full complément alimentaire. Parce que voilà, j'ai besoin de me remettre sur les rails. Et pour ça, pas le choix. Hein. Je prends que des compléments. Je prends pas de vêtements. Et là, on est bien. Là, on est bien. On va faire une bonne séance. Un bon mois de musculation. Sachant que j'ai bien pris. Hein, j'ai vraiment bien pris au niveau des bras. J'ai bien tracé. J'ai séché un peu. Au niveau de ma sangle abdominale. On est bien, on est vraiment bien. J'ai vraiment hâte de te montrer mon physique et mon évolution. Ça viendra prochainement. Et puis, voilà. Hein. Bon, c'est mis cette petite vidéo. Mets un petit j'aime, un petit commentaire, d'accord? Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et n'oublie pas, hein, tous ces produits et même cette petite barre de chocolat et les vitamines bonbons là, c'est disponible sur MyProtein avec mon code DAMS, bien évidemment. D-A-M-S-S. C'est important. Tu as le lien qui est dans ma bio et aussi en commentaire épinglé. Clique sur mon lien, c'est important, d'accord? Parce que si tu as sur un lien ou sur myprotein.fr, ça compte pas. Clique sur mon lien qui t'amène sur myprotein.fr, c'est mieux, d'accord? C'est mieux.
parce que mon lien, c'est un lien réel, d'accord? C'est un lien qui apporte de la valeur ajoutée, d'accord? C'est un lien où si tu cliques dessus, tu auras deux veines supplémentaires. Tu n'auras pas une, tu auras deux veines supplémentaires. C'est important, d'accord? Bon, moi, j'ai rangé tout ça. Je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.